Salut! Dégueulasse! Putain, j'ai même pas pu me voir, mec. J'ai même pas pu me noter la plaque. Ah, voyons. Il y en a qui sont pressés, hein! Salaud, ouais! Fouine. Qu'est-ce que c'est, ça, comme bagnole? Ça existe, hein? C'est un truc qu'il a fait lui-même, le mec! L'acheter en morceaux, c'est quoi, un remonton? Hein? J'attends quelqu'un. Hein? Sac à dos? Non, c'est pas bon. Comment? Vous allez à Lyon? Oui? Bah, allez-y, c'est là. Comment? M'emmener? Ah non, mais j'ai pas que ça à foutre. Si, je vais à Lyon, mais. Vous m'emmenez quand même. Il est gonflé, ce mec-là. Alors? Ça va? Hein? Alors, vous êtes content de votre bagnole? Oui, vous avez raison, il faut pas être difficile, hein. Elle est jolie, quoi, quand même. Si, dodo. Vous êtes costaud ou pas? Même pas, hein, oui, oui. Enfin, il doit pas être cher, quoi. Ah, quand même. Il s'emmerde pas, hein. Donc, remarquez, quand ils vont des combien pour la racheter, on va rien dire. Hein. On entend bien le moteur, là, hein. Non, je dis ça, diesel. Non? Ah ben, on est sûr qu'on est pas en panne, quoi. On sait pas si ça va durer. Hein? Il fait beau, oui, il est con en plus. Dites-moi, ça vous dérange pas que je fume? Non? Qu'est-ce que vous avez comme cigarette? Ah, vous avez que ça? Ah oui, bon, on peut pas être difficile, hein. Merci. Dites-moi, je regarde, il n'y a pas d'allume-cigare là-dessus. Ils le font en option, oui, vous arrivez plus le prendre, c'est quand même pratique. Ils le vendent, ça? Ah, moi j'ai cru qu'ils le donnaient à un mec. Non, c'est moi là. Dites-moi, je regardais l'heure, mais en même temps, je me disais, on n'est pas prêt d'être arrivé, hein? Au moins, si on a un accident, on l'aura moins vite, quoi. S'il arrive pas là, je le verrai, j'éteins le dessin. On est déjà passé là, non? Ah non? Non, on va vraiment pas vite alors. Enfin, qu'est-ce que je dis ça? Je m'en fous, hein? Je suis pas pressé. On dormira à Lyon. Ça fait des frais, enfin. C'est pas... Parce que l'idéal pour nous, c'est de tomber sur un mec sympa qui nous a aidé à dormir chez lui, mais. Les mecs sympas, ça se fera. Non, mais. Je dis pas que vous n'êtes pas sympa, mais je dis. Peut-être chez vous, ça va pas être possible. Mais je sais pas, il y a déjà quelqu'un ou... Non? Ah ben c'est pas de refus alors. Oui, ça m'arrange parce qu'on n'a rien bouffé à midi. À midi, on est tombé sur la mer, il y a une bagnole encore plus pourrie que la vôtre. Si, ça existe. Hein? Tout en plastique la sienne. Comme les poubelles, ouais. Ah mais moins pratique, il n'y a pas les poignées. Alors on n'a pas pu s'arrêter de bouffer parce qu'il était jamais en retard. Moi j'ai rien dit, c'est le chien qui a gueulé. C'est que ça bouffe un Doberman. Un Doberman, oui. Lâchez déjà les sièges, là. C'est sympa, l'autostop, hein. On tombe sur les mecs, vous allez à bouffer, vous allez à dormir chez eux. Il y en a même qui nous donnent du pognon. C'est pour qu'on se barre. Alors on donne ce qu'on veut. Dites-moi, je pensais à propos de partir. Je pense que ça va peut-être vous faire la même valeur, vous aussi, demain matin. Si on dort chez vous, bah pour nous accompagner à sa route de Paris, bah on va pas aller à la pied de toute façon. Il est gonflé ce con là. Non mais ce que je veux dire c'est que de toute façon ça va pas beaucoup vous arranger. De toute façon à 5h du matin il y a personne dans les rues. Alors on fait 30 bornes. Faire style on est sorti puis à 7h vous êtes au lit. Hein? C'est l'heure où vous vous levez. Eh ben alors, vous n'aurez même pas besoin de vous lever. Hein? Je pensais à un truc. Il va pas à Paris, mec, avec sa poubelle. Non, parce que j'aurais pu l'emmener.